Dominique Fils-Aimé, hein, album jazz. C'est quoi? On s'était vu à Halifax au Juno, donc un Juno. Et là, un Félix. Est-ce que tu te sens validé ou tu n'as pas besoin nécessairement de ça? Pour moi, ça, c'est la validation de deux choses. C'est ça que j'ai appris avec le temps. La validation que j'ai la meilleure équipe au monde, parce que je ne dis pas que ma musique n'est pas bonne, mais il y a beaucoup de bonne musique. Donc, ce qui fait qu'on a ça, c'est l'équipe. Donc, ça valide définitivement mon choix d'équipe que je trouvais déjà excellent. Et la deuxième chose, c'est que ça valide pour moi l'intention que je mets dans la musique étant de vouloir propager de l'amour le plus possible. Pour moi, c'est l'amour qui gagne, en fait, chaque fois un trophée. C'est parce que c'est juste ce que je suis venue amener, puis ce que j'espère que les gens ressentent. Puis ça me convainc qu'on a besoin de plus de ça, donc je vais continuer dans cette direction. Parce que tu le fais dans cet esprit-là aussi, cet album-là. Donc là, tu récoltes, en fait, le travail que t'as fait pendant tout ce temps-là que t'as passé en studio à l'écriture de la chose. De quoi t'es le plus fier de cet album-là? Je suis le plus fière d'avoir été le plus honnête que je pouvais et de me donner le droit de rentrer dans une nouvelle trilogie et dans un nouveau cheminement, de prendre un nouveau défi. Donc, je suis juste fière de m'assumer, en fait. Ouais, parce que je pense que de parler d'amour et de paix, c'est rendu quelque chose de ridiculisé, alors qu'en fait, c'est tout ce qu'on veut pour tout le monde. Donc voilà, ramenons la mode. Et au niveau de l'écriture, est-ce que ça a été difficile? Est-ce que ça coulait de source? Ça, c'est un album, en fait, que vu que j'étais bloquée dans mon lit pendant plusieurs mois, ce qui fait que je pouvais rien faire, mais on dirait que l'album a macéré, puis dès que j'ai pu m'asseoir dans mon sofa, c'est en une semaine. Il est sorti du début à la fin d'un trait, je savais exactement, tout était en ordre, donc j'ai même pas eu à chercher le pacing des chansons. Donc ça, c'est vraiment un album où justement je me suis laissée juste aller avec le fluide de moelle organique. On a retravaillé un peu en studio, les musiciens, etc., mais il y avait quand même beaucoup de fluidité dans la conception. Et la réception des gens, là, ça fait quand même un petit bout de temps que tu fais les spectacles et tout. Est-ce que tu es étonné de la réaction des gens, de comment ils reçoivent tes œuvres? Je suis toujours heureuse de remarquer ou de me faire dire que les gens ressentent une connexion ou qu'ils ressentent justement le côté enveloppant que j'espère que ça peut avoir. Donc, d'être au contact des gens qui me confirment, je pense que ça, c'est une excellente validation aussi, qui permet de se rappeler que, OK, c'est pas dans ma tête, c'est pas ce que je souhaite, c'est ce qui se passe. Donc, on continue. Super. Eh bien, bravo encore. Merci beaucoup.